Chers compatriotes, c'est depuis octobre 2022 que notre chère province du Nord-Kivu, précisément le territoire de Nyiragongo, fait face à une augmentation des malades qui présente la diarrhée aqueuse, sans fièvre, mais qui s'accompagne d'une perte abondante de liquide corporel et parfois des vomissements. Aussitôt informé, j'ai instruit mes services de santé de prendre toutes les dispositions utiles pour prendre en charge tous ces malades. Et les intrants de lutte ont été fournis par le gouvernement et nos partenaires. À ce jour, nos services de santé ont enregistré 661 malades et déplorons 4 cas de décès de nos compatriotes. Nous adressons nos sincères condoléances à leurs familles et les rassurons de notre soutien. Dans le souci de mieux comprendre les germes en cause de cette diarrhée, 300 échantillons de sel prélevés par nos services de santé ont été envoyés au laboratoire Ami Labo, ici sur place à Goma. Après analyse, le laboratoire confirme la présence de vibrions choléra dans 149 échantillons, alors qu'un seul cas de choléra est synonyme d'épidémie. Sur ce, conformément aux dispositions constitutionnelles, je déclare l'épidémie de choléra dans la province du Nord-Kivu et plus précisément dans le territoire de Nyiragongo. Et sollicite par la même occasion la solidarité du gouvernement de la République et des partenaires techniques et financiers